suis là. Me revoilà. J'étais là hier, je suis là aujourd'hui. Je suis présent. Et je serai là demain aussi. Allons-y. Yeah. Avance. Comment ça va les gens? On est autant pour une nouvelle vidéo avec Franco la longueur. Vous voyez mon gars sur Damian qui pose à côté de Wam parce qu'il sait que je devrais être titulaire avec lui. Ça veut dire quoi qu'il va se rasseoir au moment où je dis ça? Vous voyez bien ce 5 là, la longueur n'est pas dedans et on va affronter Kevin Durant. Dans la dernière vidéo on a joué les Cavs et comme par hasard Donovan Mitchell était blessé. Non c'est Kyrie, fracture de la main gauche, une à deux semaines, mais je crois que la dernière fois qu'on les a joués il était déjà blessé aussi. Mais on dirait que les joueurs veulent pas jouer contre la longueur parce que là Donovan Mitchell il est au calme, il a aucune blessure. Il y a genre 3 jours il pouvait pas jouer contre nous mais là c'est carré. Est-ce que son corps avait peur de la longuero? Non mais on dirait qu'il a loupé 8 matchs par rapport aux autres titulaires là. Mais bref, on aura la fame 12 minutes comme d'hab. Quand on repassera titulaire, je passerai peut-être le temps genre 10 ou 9 minutes ou un truc comme ça. Parce qu'on en a des matchs à rattraper. La longueur il était absent hein, un certain temps. Donc on a du calendrier à manger. Et on voit bien le graille ce calendrier. On va le déguster. On a à l'extérieur. Yes. Allez, le petit 10 sur leur parquet, je savais pas. À la vidéo d'avant, les commentateurs contre les Knicks, ils disaient que les Nets, ils étaient là depuis 2012. Donc c'était leur 10e anniversaire au début de la saison. Hein. Avant, ils étaient au New Jersey. À l'époque où Brook Lopez était la star de son équipe, ils mettaient plein les moves au poste. Et restaient pas à 3 points en attendant qu'un grec nigérian en mette des dunks sur tout le monde. Une époque différente. En parlant d'une époque différente, il y avait une époque où la longueur était titulaire, mais maintenant, il est posé sur le banc. Mais on voit que c'est pas un remplaçant comme les autres parce que Gates est le seul qui est pas habillé comme le reste. Il veut vraiment montrer qu'il est différent, le poteau. Hein. Clairement, j'ai fait du handball juste pour pas faire comme les autres, j'ai fait du handball, gros. Ok, on arrive 11-4 pour les Blazers. Ish. Ben Simmons, Durant, Claxton, Harris et... Comment il s'appelle déjà le mec que je défends? Ah, TJ Warren, voilà. Est-ce que Durant a marqué? Non, ok, on prend, balance. On va commencer tranquillement. Claxton, non. Je sais que tu pensais, mais arrête. Claxton, c'est un des meilleurs bloqueurs de NBA dans la vraie vie, là. Je crois que c'est même le numéro 1. Numéro 1 ou numéro 2, un truc comme ça. Ça dépend du moment de la saison. Et une action. Et vraiment une action malade. C'est fini sur un N1, mais vraiment. Pas grâce à la longuero. Hein. En attendant, ils ont peut-être pas Kyrie, mais ils ont quand même une équipe bien énervée. Hein. On va pas se mentir. De là-bas. Ah, on va se calmer pour l'instant. On va pas tirer de là-bas. Un peu de calme. Un peu plus de sécurité. Bye bye. Je suis un bloqueur. La longuero, le bâcheur en chef. Bien sûr, Lillard. Ish. Wesh Ben, El Doc de Ben Simmons, ils aimeraient bien voir des trucs comme ça dans la vraie vie, hein, mais ça vient pas. Eh ben, Lillard. Eh ben, ils ont pas besoin de moi dans ce début de match, hein, vraiment. Ah, mais vraiment. Oh là là, wesh. Ah. Ils ont vraiment trop pas besoin de moi. Ils ont pas besoin de moi, mais du tout. Finalement, je crois qu'on va aller se poser sur le banc, hein. C'est ça notre place? Ok, bon, je l'accepte, c'est fini. Hein. Prends ta traite carrément la longueur. Mais non, on rigole, on rigole. Il va se reprendre la longuero. Direct, il se reprend. Faut qu'il mette sa sauce dans le burger, lui aussi. Qu'il mette sa sauce dans le kebab. Non, en fait, j'ai rien dit, mets pas ta sauce dans le kebab, la longueur. Cette phrase, elle me perturbe. Dedans, merci. On se réveille un petit peu. Easy. Un camp de 36 au deuxième. Ça sent bon pour les Blazers pour l'instant. Voyons si la crêpe se retourne. Dédicace à la chandeleur. Oh le lay-up d'enfoiré. Oh là là, c'était beau. Il s'y attendait pas à celle-là. Oh là. Ah mais Harris, je sais pas pour qui il s'est pris, hein, frérot. Pourquoi il s'est pris pour Vince Carter en une seconde. Pour LeBron James. Il faut qu'il se calme. Oh là là, par contre, la longueur, il se prend pour qui, là? Il se prend pour Ben Simmons. Oh, la performance catastrophique. Merci. Comment ça s'envolait, là? Et tout le temps où j'étais là, j'ai quasiment pas vu Durant. Hein. Vous le gardez sur le banc comme moi, ou quoi, là? Vous le gardez en prison sur le banc comme la longuero? Parce que là, vous avez besoin de lui, hein. 16 points d'écart. Let's go! Les rotations sont pas trop là, mais c'est vrai que dans le jeu, c'est encore Steve Nash, le coach. Ceci explique peut-être cela. Dedans! Yes! Au-dessus de la compétition. Ce deuxième carton s'est bien mieux passé que le premier pour la longuero. Et on a bien pris l'avantage sur les Nets. Wow, plus que 8 points d'écart. Ah, ils ont fait quoi? On dirait que le coach a remis Durant sur le terrain. Il a fait jouer Kevin Durant. Ah, quoique, il est toujours pas là. Il est blessé ou quoi? Ou il a joué que quand j'étais pas là? Quelle magnifique passe deck qui s'est passé sans accro. Non, il a bien joué Durant. Il a bien joué. C'est vrai qu'on est un mec du banc maintenant, mais on voit tout le temps Simmons qui est titulaire aussi.
et on voit pas les mecs qu'on défend et on les laisse passer au panier tranquillement. À chaque fois qu'on était là, on voyait Ben Simmons, mais Durant par contre, après je me plains pas, hein. Super. C'est pour nous. Balance-moi ça. Yes. Il m'a vu. Ce que j'avais récupéré, il me l'a rendu. Les Nets, on est prêts à leur mettre dans le... Et one. Bah alors, ça veut m'empêcher de boomer. Easy. Claxton, arrête. De beau à chaque fois, arrête. Kobe. Ah, dans ma gueule comme ça. Ah d'accord, comme si j'étais pas là. Ok. And one. C'est ça, Eubanks. C'est pas ça, Eubanks. Mais tranquille. Ah d'accord. Il répond direct. Ah, Eubanks, réponds-leur. Réponds-leur, Eubanks. Ok, on arrive 5 minutes de la fin à panier d'écart. Normalement, on a encore deux paires pas faire pour pouvoir retrouver notre place de titulaire, dont celle-là. Que le coach s'habitue déjà à nous refaire jouer à la fin du match. Ok. Oh wesh, ma... Ah, il m'a têche du chemin. Allez. Mais wesh, prends un rebond, Nurkic. Tu vois pas, je me prends des coups de coude, là. Merci. Ah. Compliqué, ça. Oh, le basket bizarre. Oh non, le basket, il est étrange. Et on s'est glissé. Boom. On s'est glissé. On s'est trouvé les petits espaces pour se faufiler. Ah, Durant, je crois que c'est la première fois que je vois du match. Il est rentré qu'à 2 minutes de la fin. Ok, on le défend en plus. Allez. Oh, c'est Simmons. Ouh, dur. Oh, allez, scroll. Allez. 10-2 dans les dernières 2 minutes 45. Ok. Allez, faut les stopper. Pas de 3 surtout. Ah, oh, j'ai pris. Je viens défendre, yes! Non, elle est pas pour moi, elle est pas pour moi. Elle est pas pour moi, il était sur le côté, arrêtez, il était sur le côté. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Direct pour Nurkic? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est rentrée! Arrêtez! J'ai l'impression que c'est un sorcier qui l'a mis dedans, wesh, comment ça? One, on te le rend. Ce que tu donnes, tu recevras. C'est comme ça la vie. Oh, par contre. Ah non, j'ai abusé de lancer franc. J'ai abusé. Oh, j'ai abusé. Elle est pas pour nous? Non. Ah, c'est vrai, et quand t'es coureur d'équipe, ils te mettent une caméra bizarre des fois alors que c'est toi qui tires, comme si tu regardais le mec tirer, mais attends. Ah, voilà, voilà. Caméra chelou. Quand t'es pas en tes coureur d'équipe, tu regardes le mec tirer, c'est pas grave si la caméra elle est bizarre, mais quand c'est toi qui tires, c'est chelou. Encore? Oh, les rats! Ok, c'est bon. Si ça s'en lance franc, ça devrait le faire, ok. Ok, surtout pas de 3 là, du coup. Allez, la longueur. T'as un taf, empêche le tir à. Wesh, t'avais plus de temps que ça, pourquoi tu tires de là-bas, frère? Il a même pas touché la planche. Ah ouais, Durant. Et en vrai, on se prend le N1 après, on lui rend son N1 direct. C'était poétique. Alright. Yeah. Alright, alright. That's dope. Yeah, dope, that's right? Dope, man. That's dope. Yeah, so you gonna get in the booth? What? You gonna get in the booth? I mean, can you explain to me what you think is happening right now? Well, I just created a new track. And I thought we was collaborating. Monk, I thought we was collaborating on a remix, though, not... No, I told you, I'm not trying to do a remix. This is what I'm trying to do right here, okay? I'm not much of a rapper, is what I'm trying to tell you. You are a rapper. I heard you rap, man. T'es sûr que tu l'as entendu, frérot? Dude, just get in the booth, man. Spit some fire, I'm telling you. Parce que moi, je l'ai entendu... Alright, man, look. We'll do as many takes as necessary to get this right, just like they did the moon landing, cool? So just... Let it rip and just see what comes out. Allez, à longueur, tu peux le faire. Let's do it. Lâche-nous des grosses punchlines. Fresh pair, whatever. Looking for whoever. Sneaker de pro, personne n'est au niveau où tu veux quand tu veux. Vas-y, on va faire celle-là, la première.
whenever, wherever, soon as I touch the leather. I am my starting five, all I need is me. Tout ça, je suffis. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de... Je sais pas. That means you believe, cause all I need is me. Ok, non, rien qu'à entendre, c'était pas le bon bail. Shoulders too brolic. J'aurais dû prendre l'autre bail. Je vais te piquer la balle, tu me laisses une avenue. Toi, t'as souffre-cours, faut appeler le SAMU. And you are too stocky, breath is too garlic. So call my name, you gon' see it in the hall of fame. Crazy how he laced up for the wall of shame. Walk of shame, don't stumble with your head down. Because you stumbled, you're hurt, you need meds now. A little humble pie, how I slice the zone. Je demande une ISO, puis je filme avec mon phone. Je demande une ISO, maintenant c'est toi et moi. Je demande une ISO, c'est mon tour sur le trône. I call the ISO, then I put the icing on. Somebody tell him, I came back the ball. Okay. I came back the ball. Okay. I came back the ball. Okay. Watch him fall. I came back the ball. I came back the ball. I came back the ball. Also behind the back. Watch him fall. Why tuck the jersey in when the cat's out the bag? Pourquoi un pitcher quand il rend les armes? On va prendre le seul qui est pas comme les autres. Peut-être que ça va. Why show any mercy when they waving a white flag? Relax, tell my dogs I got this. Gros drip se met à renverser. Cause if I say I got this, it means I really got this. Ok, non, celui-là il était nul. Je le sens. Handles on the string, man, I'm so toxic. Bon, vraiment, c'est toxique. Le tir toxique, on connaît. Ça veut dire danger, évite-moi. Avant de stopper ça, tu vas devoir comprendre ce qui se passe. Moi. Too much of me, and you'll end up in a hospice. This is not your average. Le son, je sais pas s'il va être dans le top 10 américain, mais tout qui tu penses parler à qui, tu sais que je suis. Two K, cause it's very good. I'm better than average. We ball players. This is full court pressure. Ce son, je sais pas quoi en penser. Fais gaffe à ta balle ou tu termines à poil. Fais gaffe à ta balle, je suis un cannibale. Public Ropi, t'arrives pas à jouer. J'ai vraiment la dalle. Ouais, mais celui tu termines pour l'arrêt. The rock ain't safe. I'll take the money out your dresser. I'm not here to impress you. La sueur et des tas de pas en tongs sur mon Vespa. Quoi? Elle est obligée de choisir ça. Sweats and scuff kicks, sandals on a Vespa. Yeah, I don't think we got it yet. Give it another try. La sueur et des tas de pas en tongs sur mon Vespa. On va retourner au studio jusqu'à ce qu'on arrive à enregistrer un bail potable. Et quand ce sera fait, on se retrouve. I'm not here to impress you. You know who I am, I'm a national treasure. Dang, man. Talk to me, man. Talk to me. I thought you said you wasn't a rapper. Man, I guess I never thought of myself. Yeah, pas manché. You know? Yeah, well, you might want to start. Thank you. So what's next, man? Talk to me. Well, basically, I'm gonna finish putting these tracks together and then maybe hit you up for some more help, or you could just drop it online. Wait, but I thought he was doing sample verse, not the whole track. Yeah, me too, but now I'm thinking this is just gonna be too good to keep quiet. Are you for real, man? Bro, there's only three things I don't joke about in this life. Traveling at the speed of light,
Pope Sylvester II adding 300 years to the Gregorian calendar in music. 300? Never mind, man, never mind. So you tell me a track that I'm spitting on is gonna be put out somewhere? When? Eh, I don't know, man. I don't really use standard measurements of time, but 3 moods from now, maybe. 3 moods. Trois lunes. On est où, là? Game of Thrones? Allez, c'est l'heure de notre dernier match en tant que remplaçant, normalement, si tout se passe bien. Si tout le monde est corda. Ça va jouer contre les Clippers de Kawhi et Paul George, et les deux sont là. Ok, ok, on commence. En se faufilant. Kobe. Ok, Art, ok, je te connaissais pas comme ça, mais... Enchanté. Kobe. Tu commences, Kawhi, tu commences. Banal, banal Nurkic, ils ont oublié Youssouf. Alias Nurkishta. On l'a eu, on l'a eu. Les fondamentaux. Oh l'escroquerie, oh la connexion d'escrocs. Toasty. À la Longuero dans ce match là, il a un jeu simple, efficace, technique, passion. Il va falloir parce qu'ils sont chauds en défense donc on n'a pas le droit à l'erreur. Dès qu'il y a un petit bout d'oxygène qui se montre, faut respirer. Quoi, ils nous ont mis à 17-6. Aïe, 40-30 pour eux. Ah ouais, quand je me suis assis, il s'est passé des bails bizarres. Voilà. Plus de Kawhi et Paul George pour venir me gêner, on va boomer. Easy. Boom. C'est ouf comment depuis que Kawhi et Paul George sont sortis du terrain, on peut accéder au panier facilement. On peut aller poser nos deux grosses mains au-dessus du cercle sans problème. Ils vont ramener leur gros corps, là, ça va plus être pareil. Comment ça muse? Comment ça muse? Gardez-les sur le banc. Gardez-les sur le banc, j'ai juré. Joueur de la semaine, LeBron James. Ça devrait être nous. Triple double de moyenne. Bon, c'est pas nous vu qu'on est relégué au banc. Ok, 47-38 pour les Clippers. Comment ça va être quand on revient? 60-54. J'aime. Allez, 6 points. On n'a pas pris la poudre. Tout va bien. Oh, and one. Et tout ce match, ça a été des petites feintes. On se glisse dans les espaces qu'il faut, tranquillement. La longueur s'est jouée de façon technique, calme et maligne. Lillard ira des lancers francs carrément. Le commentateur il vient de dire que Lillard est parmi les meilleurs tireurs de lancers francs de l'histoire de la NBA. Trop lent. On prend l'avantage. On récupère ça. Alors là, c'est pour toi Lillard. Non. Oh là là, il est là. On a fait un très bon troisième carton, on a l'avance maintenant. Maintenant il y a le quatrième qui arrive. Est-ce qu'on va jouer? Combien de temps on va jouer? Est-ce qu'on va réussir à stopper Paul George et Kawhi? Est-ce que eux ils vont nous stopper? Beaucoup de questions. Ok, on joue dès le début. Le fait qu'on joue dès le début, j'ai peur qu'on joue pas à la fin justement. On va voir comment ça se passe. C'est la Art. Allez, 6 points d'avance. Faut qu'on soit bien question avance là parce qu'on peut sortir à tout moment. On sait pas si on va rester jusqu'à la fin. Eh oui! Let's go! Ah! Il a raté? Quoi? J'avais même pas vu, je regardais même pas dans ma tête, il l'avait mis. Merci. Allez, on prend une bonne avance à 9 points. Ça les Blazers. Le truc qui me fait peur, c'est si moi je sors et qu'après Kawhi rentre, les choses peuvent dégénérer. Ah, en parlant de Kawhi, je le vois sur le côté, il va arriver. La stat qu'ils viennent de dire sur Kawhi, il a été MVP des finales et défenseur de l'année avant qu'il soit All-Star. Le truc qui a aucun sens. Easy. Oh, genre ça rentre pas. Ça va rentrer. Ou pas. Ça sent bon tout ça. Le score commence à sentir bon. On reste sur le terrain. Ok. Et ils ont dit une autre stat de zinzin sur Kawhi. Il a plus d'interceptions dans sa carrière que de foot. Comment ça, oui. Ok. Avec ce 3, je pense que les Clips ont été endormis. Ah, je vois Josh Hart sur le côté là. C'est pas pour moi qui veut rentrer là. Ce serait pas là pour me remplacer par hasard. On va vite le savoir. Après ce N1. Ok, c'est bien ce que je pensais. Allez. On touche à rien. Parce qu'on sait que si on accélère la simulation, il peut se passer des dingueries incompréhensibles. On touche à rien du tout. Voilà. Le score est resté normal. On a fait le taf. C'est ça, coach. Tu m'as fait jouer assez de temps. Et voilà le résultat. 45 points, la victoria. On a maxé tous nos badges, sauf les badges d'organisation. Il nous en manque encore genre 10 à débloquer, un truc comme ça. Great game, MP. Really well done. Thank you, coach. Thank you. Next game. You're back with the starters. Enfin. Do not lie to me. No cap.
I see you. I just told the press during my availability. Uh-huh. So why don't you head over there and answer some of their questions and bask in the glory. All right, now, that's not a bad idea there. You've earned it. Now go enjoy it. So are you aware of reports that you've been placed back in the starting lineup so they can actually showcase you for a potential trade? No. That's actually the first time I've actually heard that. Well, let me read this to you. Sources familiar with the organization's thinking have confirmed that there's interest in acquiring Shep Owens in the trade. So how do you feel about that? Ouais, c'est pour Shep Owens qu'ils veulent me transférer. Ah ouais. Si c'est vrai, j'y comprends rien. C'est surprenant. Je sais comment gagner. Là, je comprends vraiment rien. Ouais. Obviously, you know. Just give me a second, man. If that's true, that's unfortunate. Because I have proven that I can contribute to winning basketball. So to hear something like that, I don't understand it. I don't. Well, not to make things worse, but I'm also hearing that Shep was Athela Akpan's first choice at 18, but Phil Boyer overruled him, which is why he hired Freddie Novak to help smooth over the PR hit he took for drafting you. Oh, yeah, I'm not sure how to respond to that, Nate. Understandable. I mean, whenever you're ready to talk, I'm here for you, brother. Yeah, sure. All done? All right, thanks, guys. Bon, sur ce, la famille, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Merci d'être là. Repas à l'éther. I'm on my Seiyan shit. I'm trying to make $1 million. Keep a hood while crossing over on some AI shit.